Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la première vidéo de la semaine. Un petit planning tranquillou pour commencer doucement. Là, actuellement, je suis sur la vidéo que j'ai postée hier pour regarder vos commentaires et y répondre. J'ai remarqué que du coup, vu que je l'ai sortie assez tard, il était 20h15 quand elle est sortie, du coup, elle n'a pas été énormément vue. Bon, peut-être que ça va s'améliorer durant la journée. Le fait qu'il n'y ait pas énormément de vues, c'est pas ça qui m'embête le plus. C'est plus par rapport à l'annonce du coup de la semaine de vidéo. Parce que j'espère que du coup, les gens verront que je propose ça cette semaine. Si tu es dans ce cas-là où tu n'as pas mes notifications, tu sais pas quand je sors une nouvelle vidéo, soit tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, du coup je t'invite à le faire tout de suite, ou tu n'as pas enclenché la petite cloche qui t'avertit quand je sors des nouvelles vidéos, qui est juste à côté du bouton d'abonnement, donc clique également dessus, comme ça tu seras prévenu de mes futures vidéos et du coup de mes vidéos là durant la semaine qui vont sortir à 18h. Du coup voilà. Niveau planning, donc ce matin ça va être tranquillou parce qu'il n'y a rien à voir avec les poneys. Comme vous savez, au niveau des écuries, on est sur des plannings, des tranches horaires de 2h pour pouvoir aller s'occuper de nos loulous. Moi j'ai été notée de 14h à 16h. Du coup, ce matin, j'ai plusieurs choses à faire qui n'ont pas grand chose à voir avec l'équitation. Là, je vais terminer de me préparer pour aller faire une prise de sang. Je suis enchantée. Moi et les prises de sang, ça fait 1000. Ensuite, je devrais aller à la poste pour aller poster une lettre qui est assez urgente. Donc, il va falloir que je me bouge le popotin. Et en rentrant, je vais commencer à m'organiser un peu sur mes vidéos parce que moi, je suis une personne qui improvise ses vidéos. Je n'ai jamais préparé mes vidéos à l'avance ni ce que je vais aborder dessus. Et c'est vrai que voilà, au début, l'improvisation, ça passe. Mais au bout d'un moment, on arrive à court d'idées et je pense que c'est ça qui me pénalise depuis le début. C'est que je ne prépare pas mes vidéos, je ne prépare pas des idées afin de m'orienter correctement. Je vais devoir m'acheter un petit calepin afin de noter toutes mes idées de vidéos, ce que je veux aborder dedans, des choses que je veux intégrer, etc. pour pouvoir mieux m'organiser. Et du coup, cet après-midi à 14h, on ira aux écuries et aujourd'hui, on va aller travailler ma petite Golden sur de la désensibilisation parce que c'est quelque chose qui n'est pas encore acquis pour elle, même en entrant dans le box et vouloir l'approcher, elle se crispe et tout alors que ça fait quand même un petit moment que je l'ai, donc on va travailler ça avec elle. Et du coup voilà un peu le planning de la journée. J'ai une petite peluche à côté de moi, j'aimerais vous en parler deux petites minutes. Donc cette petite peluche que j'ai reçue, qui est très mignonne, qui n'a pas encore de nom. Si vous voulez me proposer des petits noms mignons pour cette petite peluche, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Donc pourquoi j'ai cette peluche? Pourquoi je vous parle de ça? Alors c'est une société qui s'appelle La Peluchette qui vend des petites peluches. Vous allez me dire, ouais c'est des peluches, ouais. En soi oui c'est une peluche, moi personnellement je kiffe les peluches, quand j'étais gosse j'avais une multitude de peluches à la maison, même l'immense licorne qui prenait la moitié de mon lit. La particularité de cette société c'est que lorsque l'on achète une peluche, une partie de l'argent qui est du coup donné pour la peluche part pour une association qui sauve des chevaux de l'abattoir. Du coup je ne me rappelle plus du nom de l'association, je vais tout vous mettre ici, vous aurez tous les liens en barre d'infos. Mais du coup voilà, c'est leur concept, c'est de pouvoir aider une association en vendant des petites peluches. Donc moi oui, je suis pas une gosse, mais moi j'adore les peluches, moi je compte la garder près de moi, près de mon poste de travail, afin qu'elle fasse une petite décoration et pourquoi pas m'accompagner dans certaines aventures, on verra ça. Mais si vous avez des enfants ou que vous devez faire un cadeau pour un enfant, pourquoi pas faire une bonne action en faisant plaisir à un enfant ou à vous-même, et d'un autre côté aider une association qui sauve des chevaux de l'abattoir. Du coup voilà, je vais vous mettre tous les liens, ils sont sur Instagram, donc n'hésitez surtout pas à aller les découvrir, ça vaut le coup. Et puis voilà, moi je vais aller me préparer pour aller faire la petite prise de sang et on se retrouve tout à l'heure. Thank you.
Bon, 14h, nous sommes aux écuries. On va aller sortir le bibi et la gossip au paddock. Et nous allons travailler avec ma petite Golden. On a un très beau soleil aujourd'hui. Je suis super contente. Ça fait du bien un peu de beau temps comme ça. Du coup, voilà, on est parti pour la petite séance avec la louloute. Bon, la mistinguette qui s'est fait la malle. Voilà, je devais. Elle s'est barrée en fait. Elle est arrivée à casser la longe, je crois. Et voilà. Bon. Bah ouais, le souci c'est que. En fait, le mousqueton il est encore. En parfait état, je ne sais pas comment elle a tiré en fait. Il n'y a pas l'anneau. En fait, elle aurait pu casser parce qu'il y a le. Il y a la corde, mais elle n'a pas cassé la corde en fait et elle n'a rien cassé du tout. Je ne sais pas ce qu'elle a fait. Il y a un très gros problème avec Golden. Golden, je ne peux plus la laisser seule en fait. C'est, dès que je prends Bilbao ou Gossip, ou surtout Bilbao, bah Golden pète littéralement un câble et devient totalement hystérique parce qu'elle ne veut pas rester seule. Là, j'ai voulu la prendre en longe et la mettre à l'aire de pansage en attendant. Et Laïa, en attendant de ramener Bilbao et Gossip. Laïa, stop, stop. J'ai voulu la prendre en longe et la mettre sur l'aire de pansage en attendant de pouvoir prendre Bilbao et Gossip et les mettre au paddock, sauf qu'elle a littéralement pété un plomb et elle a arraché, je sais pas comment elle a fait son compte, j'espère qu'elle s'est pas fait mal parce qu'elle n'a pas arraché la ficelle qui était accrochée du coup à la longe, et le mousqueton il était encore nickel, je ne sais pas comment elle a fait pour arriver à enlever parce que du coup elle a encore le licol. Bon, du coup, vu que je ne pourrai pas la travailler aujourd'hui parce qu'elle va pas se laisser attraper, ça va être reporté un autre jour. Là aujourd'hui, du coup, je vais les laisser tous les trois brouter tranquillement. On réessayera peut-être demain. Et du coup, en attendant, vu que j'ai pris la petite peluche avec moi, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre déjà quelques petites photos. Et je vais vous montrer un peu, du coup, quand je rentrerai, comment je retouche un peu mes photos. Je pense que voilà. Ça va compenser un peu le fait que Golden n'a pas voulu coopérer aujourd'hui. Du coup, voilà, on va se concentrer sur la petite peluche.
Bon, je vous ai montré très brièvement comment je faisais mes retouches, car malheureusement, si je me mettais à vous expliquer, eh bien, la vidéo aurait duré une éternité. Donc, si vous voulez que je vous explique beaucoup plus en précision comment je retouche mes photos, n'hésitez pas à me le dire par commentaire et je ferai une vidéo exclusivement sur ça. Sinon, bah, je vais arrêter la première journée ici, j'espère qu'elle vous aura plu. Malheureusement, on n'a pas pu travailler Golden, j'espère qu'on va pouvoir le faire demain. Sinon, je vais vous laisser, on se retrouve demain à la même heure et d'ici là, bah, portez-vous bien. Salut!